fait ses lois. Lever, causer, faire tendre nous la voix. Disons, rendons nous pays. Bienvenue tout le monde dans le programme C'est ses lois en nous causer. Aujourd'hui, nous invitons dans le programme M. Wevel Rom Kalawan. Bonjour, M. Wevel Rom Kalawan. Bonjour, Florie. Après élection, un jour après élection, son dimanche ensuite, c'est un grand rallye qui s'est fait en Soyal. Pendant ce rallye, qui est plutôt en la victoire avec une unité pour tout le monde, l'opposition, pour unir ensemble, nous voyons que le monde appelle le People's President. Nous avons dit, Pibil dit, vive nous, président. Et présent, ça même jour qui nous tient dans sa rallye en Soyal, c'est jour qui président James Michel a sermenté comme président et lui dit qu'il fait référence avec lui comme président illégal de sa pays. Quelle est l'opinion de ce statement pour vivre nos président et pour James Michel qui est un président illégal? Bon, premièrement, avant de dire, avant de faire aucun commentaire, je ne suis pas content encore une fois remercier tout le monde qui nous donne ce support. C'est un support extraordinaire qui nous gagne et du moins nous aurons dit pourquoi il y a un nouveau sens la liberté en des autres. Et moi quoi justement ça joue c'était ça qui du moins tu peux exprimer. Premièrement nous tenons calls and meeting dans l'état très court. Juste à travers du moins téléphone camarade nous nous trouvons avec un grand foule. Ça aussi montre ça l'enthousiasme. Et de l'autre côté, nous aussi connaissons que M. Michel a swearing comme président. Je crois que c'était sa spontanéité de la part du monde. Du monde qui vient là, non pas parce que nous avons payé, nous avons voté pour l'union sans main avec les autres lesquels et les autres sentis qui peuvent dire que nous avons gagné sa élection. Et comment un autre candidat est naturel pour tout le monde référer le mot comment un autre président. Et au fait, moi, va dire que moi, sincèrement, quoi, que sa élection, c'est nous qui l'avons remporté. Et les temps tout bon quelque chose, il y avait une fini, il y avait un rapport, ainsi de suite, il y avait montré, un rapport à un observateur, il faut clair qu'il faut dire sa élection, c'est nous, dans l'opposition, qui l'avons remporté. Mais de l'autre côté, il y a besoin aussi qu'il nous fait clair que M. Gapi, comme chairman de la commission électorale, il n'a pas annoncé le résultat trop vite. On croit qu'il est clair qu'il y en a une interprétation de la constitution, une bonne cas qui est allé dans la cause de là. Il est clair qu'il vous dit qu'il ne va pas être bataillé pour l'annonce du résultat à cause de nous l'opinion et dans l'opinion légale, beaucoup de monde, personne ne va gagner 50% de ce résultat et qui. Il est voté dans la troisième langue. Alors, si Patina annonce sa résultat, quelque chose, j'avais gagné écouter en courant, et après ça, nous avons pu faire quelque chose bien. Mais malheureusement, nous vivons dans un pays côte voit quoi comme si nous avons taillé avec quelque chose. Et là, nous trouvons une situation côte. Il y en a une question en cours. Et si la cour il tombe d'accord avec mon argument, qui nous peut mettre devant, pour besoin d'un troisième langue, qui veut dire sa swearing in ceremony. Il dit un espèce caricature comme ça même. Comme si vilain, il pardonne nous un sens sérieux. Mais il est clair qu'il peut dire l'opposition aujourd'hui, il y a majorité. Et alors, techniquement, c'est nous qui devons être dans le gouvernement. Et SPBF, dirigé par James Michel, il devrait être dans l'opposition. Merci pour cette réponse. Encore là, on touche un point le côté commission électorale. Nous voyons les temps d'un premier round, les temps résultats qui ont donné. M. Gapi a fait un faute mazer, il a donné M. Pierre 883 votes en plus. Le premier round, c'est un faute qui a fait par la commission électorale. Dans le deuxième round, par une prononcée, il a fait l'annonce vite fait. Et dans cette annonce, il a dit que président James Michel est un président avec une totalité de votes plus que 50%. Est-ce que vous croyez que sa commission électorale est encore crédible, que vous avez été dirigé par M. Gapi, vous croyez encore crédible? Je crois qu'il y en a beaucoup les autres quelque chose aussi que nous avons regardé. Il fait troisième annonce résultat qui est un problème.
résultat élection à l'Assemblée nationale en 2011, c'est un problème. Et après la cour qui a besoin de résoudre. Par exemple, dit premier round, problème encore, et deuxième round, il y a une question. Il est clair que la commission électorale a besoin de prendre un travail beaucoup plus sérieux. Sa première round, c'est vraiment embarrassant. C'était une question additionne bon vote et ça je t'y gagne mal. Alors c'est définitivement il y a l'embarras et mon point qu'ils ont besoin sérieusement considérer son position, spécialement chairman, il besoin sérieusement regarder son position. Mais non seulement en relation avec l'annonce résultat d'un petit champ qui nous pour qui nous peut présenter devant la cour semaine prochaine pour montrer qu'il peut dire il y a une quantité d'instances encore. Que la commission électorale pas ne fait son travail pareil qu'il devrait faire. Et ça, par exemple, il inclut sa langue qui t'a servi. Sa langue qui t'a servi, il n'est pas une bonne langue. Il y a une langue qui est capable de tirer avec, avec washing up liquid. Et il y en a l'exemple de monde qui vient de compter, qui vient de compter l'élection, il montrait qu'il votait bon matin, il lave son main, et après il passe la main en bas dans le système. Et là, il y en a ben l'instance que dit mon une vote deux fois ou bien at least il y en a dit mon qui vient vote le nom et l'autre dit mon qui après il est en salle dit mon n'a voté. So il y en a quatre c'est quelque chose et moi je crois que sérieusement il y en a une nécessité pour nous regarder encore commission électorale pour regarder en bas qui l'influence qui ont fait ce travail. Et pas oublier que vous dites, Zizor et nous, il a dit qu'il y a comme ils ont pu suivre certaines tendances, pourquoi il y en a des gens qui peuvent donner des directives. So, je crois qu'il y a pour nous regarder tout ça, quelque chose. Et pour nous, on a une commission électorale qui est totalement indépendante. En lien avec la réponse qu'on donne, nous, c'est ce loi Perronet quand c'est l'explication après sa élection du monde pas connaît qui peut arriver à cause beaucoup d'informations qui ont tout fait le côté SBC. Alors nous voit que là 10 jours après qui élection passée, il y en a une référence qu'on peut faire dans une caisse en cours. Il y en a un caisse qui a été en cours hier lundi et là il y en a encore une pétition qui peut gagner faire. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu qui c'est ça un processus qui peut gagner faire qui quelque fois du monde pas comprendre qui peut arriver. OK. L'état est une élection infini qu'il fait, ou capable de mener pétition élection devant la Cour constitutionnelle. Et ça, il regarde tout bonne irrégularité. Il regarde si y a une faute dans la façon que c'est une compte vote. Et alors, la Cour est capable d'ordonner qu'il vote et recompté. Il est capable de tout bonne saisir corruption. Côté monin gagne payé pour autres votes d'une certaine façon, côté monin recevoir certaines faveurs, la façon qui média fait son travail d'une façon débalancée, il y en a tout ça bancisé et ça dans lui-même il y a un cas séparé et ça nous peut préparer à cause d'un gros cas qui on a jusqu'à 14 jours après l'élection il gagne gazeté résultat il gagne gazeté ou amène devant la cour. So, là, pour le moment, là, nous pouvons tout ça d'informations et il y en a une quantité d'informations qui peut rentrer. So, ça, il peut un cadre lui-même que nous pouvons mettre devant la cour et la cour il va prononcer le là. L'état de la cour il prononce le là. Il y en a bonne instance que la cour est capable de dire que sa élection n'est pas valide. Null and void, pareil nous dit. Et alors, ça va demander une nouvelle élection. Et une nouvelle élection est capable de faire quelque chose. Soit il demande une nouvelle élection, que tout quelque chose est recommencé. Comme ça, si fait sa élection, pas nous avons fait une nouvelle nomination, ainsi de suite. Ou bien la cour est capable de dire oui, moi qui peux dire, il y en a certains quelque chose là, et alors il faudrait qu'il y ait un troisième round. Ou bien la cour est capable de dire non. Ça va être quelque chose qui n'arrive pas assez pour que sa élection ait été annulée. Ça y est, un caisse qui nous permet. Sur la dernière, il y a un recompté.
Parce que dans Mazinin, il y en a 10, au fait, 97 votes qui séparent nous avec, d'après ça, résultat qui nous gagne avec M.C. Michel. Et peut-être que Timonia va dire bien à cause 97, si ce parti peut dire 193. Dans la politique, ou pas contre la quantité de votes qui séparent nous avec ou opponent. Sa quantité qui est en gagne, il y en a divisé par deux. À cause, si par exemple il y a 100 votes qui séparent avec l'opponent, ce que vous avez besoin pour battre l'opponent, c'est 51. Vous n'avez pas besoin de 100 pour battre. Oui. Alors c'est pour sa raison qu'il m'a servi sa chiffre 97. Et 97, il veut dire que si dans chaque district, il y en a 4 votes qui retombent l'opponent, il est en train de compter quelque chose infini dans l'autre résultat. Oui. Sa première question qui nous finit finalement hier, ça, il y en a pour faire avec interprétation de la Constitution. Et c'est là que je me dis que la Commission électorale, si vous voulez prendre l'État un peu plus, vous devriez amener une caisse devant la Cour avant qu'ils ne prononcent ça, pour que la Cour ça va dire exactement quelle manière vous devriez compter. La Constitution dit avec vous que pour un monde gagner l'électeur, il faudrait gagner 50% de tout bon vote. Ça veut dire, la façon que nous interprétons, il y a besoin de gagner 50%, plus que 50%, tout le monde voter, qui descend, qui vient voter sa zone. Et ce résultat que nous gagnons, le 18 décembre, il montrait qu'il n'y a pas de candidat qui gagne plus que 50%. Et alors, ça, dans notre opinion, il demandait qu'il y en ait un troisième round. Alors, ça, la Cour y va prendre son décision. Mais si nous ne sommes pas satisfaits avec la décision de la Cour constitutionnelle, nous pouvons faire appel. Alors, la Cour d'appel y va prendre son décision. Alors, c'est là que nous étions là aujourd'hui. Nous pouvons connaître lesquels bandits qui vous disent ces affaires. Et nous ne connaissons aussi qui date. Nous pouvons attendre une date. Encore là, on cause quelque chose qui passe, qui soupçon, qui n'est pas correct. Et nous voyons hier soir l'OSBC, un groupe qui donne son rapport préliminaire, qui appelle CWS. Sa groupe explique un débat quelque chose qui n'est pas régulier. Il avait dit, pas dit, comme un parti politique qui est SMB, qui a le deuxième round, qui peut amener sa pétition, mais seulement un groupe indépendant qui supporte un peu ça. Qui a l'opinion de ce rapport? Mon nom, ce rapport, et moi, je suis content, félicite sa groupe, c'est ses lois qui nous observent. Et Juan Flory, il peut tout le temps une différence entre groupe observateur local avec groupe observateur étranger. Groupe observateur local, ils ont une famille, ils ont aussi une famille qui vote. Ils ont une messe, c'est ses lois. Ils ont le travail, ils ont un monde qui peut causer. Alors, cette observation est beaucoup plus complète. Papa nous dit en anglais comme si j'ai tout dans the big picture inside parce qu'ils ont pas besoin de regarder un petit quelque chose mais je regarde quelque chose en entier et j'ai dans cette observation j'ai noir beaucoup quelque chose qui ben étranger qui vient observer pas noir jusqu'à présent et par exemple j'ai une cause locale d'identité qui vient à citer j'ai une cause locale ben vieux du monde North East Point qui n'a pas gagné d'autres cartes d'identité. Parce que les temps, vieux du monde peut passer, peut causer, peut complaindre. Ils ont tout entendu et ils ont compris ce que ça veut dire. Tandis que ça, monsieur, qui sont monsieur qui sorti Sud-Afrique, qui sorti Lesotho, ainsi de suite, ou bien qui sorti Papouane-Nouguinée, ils n'ont pas entendu ce que ça veut dire. Monde dire. Alors, sa bonne observation, qui sa groupe fait, CWS, je crois qu'il est vraiment commence à montrer nous un peu de direction et ils joignent ce qui nous nous dit. Alors, il tout le temps bon et en haut un refri indépendant qui lit à présent, il corrobore ce qui nous dit. Il montre qu'il peut dire nous ne pouvons pas crier, nous ne pouvons pas crier loulou dans le bois, mais qui, au fait,
ça bon point que nous peut mettre devant c'est bonne réalité qui n'arrivait mais ça qui fait ça qui j'ai dit aussi intéressant c'est le fait qui zot pas permettre aucune question pour zot zot n'a pas rien pour zot gagner dans sa caisse zot t'as envie simplement voir quelque chose image bien quelque chose image de droite et alors zot peut dire quelque chose exactement pareil était et c'est ça qui mon personnellement mon croire qui zot rapport y crédible et zot avoir fait hopefully une bonne contribution dans sa débat qui l'on a. Pour finaliser un peu nos programmes, nous voyons qu'il est temps notre chaleur de premier round. C'est loin, tiens, quand c'est loin pour le premier round, tu exprimes de l'école en disant que si nous tenons le premier round, que nous avons opposition totalité 52%, si tu es un seul leader, nous pouvons finir gagner. Après le deuxième round, nous voyons que les autres partis politiques qui nous rallient derrière eux pour donner support pour aller en un seul banner qui nous appelle l'Union sans moi. Et quand c'est dit, on peut demander qui peut arriver présent pour l'élection présidentielle infinie, mais seulement, un groupe d'opposition, du monde qui déboute, il a envie de connaître qui peut arriver présent d'officier. Ok. Premièrement, il est important pour dire avec tout le monde qui vote pour moi, parce qu'il est mon candidat, mais qui nous a l'ambassade parasol, l'Union sans moi, qui peut dire l'Union, tous sont bonnes leaders, besoin. Peut discuter et nous peut regarder quel next step qui nous peut faire et là mon capable assez tout le monde qui peut dire nous finissons d'accord qui prochaine élection qui pour élection l'Assemblée nationale nous pour aller en bas bannière l'Union sans nous et peut-être là il y a certaines technicalités qui disent on est besoin de comprendre. Il passe des cinq questions à pire nous l'union sans moi et après ça, à l'élection. Non, la loi qui m'a dit était nécessaire, nous n'avons pas besoin d'enregistrer l'union sans moi comme un parti politique. Et nous, la façon que nous pouvons regarder, il y a une sa parasol en bas qui toute l'opposition est rassemblée. Alors, pour enregistrer un parti politique, des gens qui sont des officiers d'un parti qui déjà existait, pas capables d'officier dans l'autre parti. Alors, nous pouvons causer le lequel des gens qui peuvent être officiers de l'Union sans moi. Et bien, si il y a des gens qui sortent dans sa quatre regroupements, et nous imaginons qu'il y a bonheur dans l'année prochaine, nous pouvons finaliser. Nous avons une bonne forme pour la résistance, nous avons écrit une constitution, et tout ça, là, c'est quelque chose, une bonne démarche qui nous déjà peut faire là, pour le monde. Alors, tout le monde, vous êtes capable de faire la science qui vous dit, nous pouvons continuer en bas l'union sans moi. Et à cause, et tout le monde a dit, moi, je supporte l'Alliance, moi, je supporte Madame Amsbury, moi, je supporte SNP qui peut arriver. Si nous allons dans l'élection, ça qu'un pour lui, il pas pour bon pour l'opposition. SNP va gagner des sites first past the post, c'est lui avec Beauvalon. Après ça, il va gagner 3 proportionnels, il a fait 5. L'autre va gagner d'après les résultats, l'alliance va gagner un site proportionnel et même si vous mais madame, je peux pas gagner rien d'après. Pour les derniers résultats. Mais tandis qu'il est en nous coûter ensemble, là, déjà, d'après le premier round, nous avons 18 districts. Avec un résultat 18 districts, nous venons gagner des tiers à l'Assemblée. Nous venons gagner une majorité dans l'Assemblée. Et quand on regarde le deuxième round, nous avons 12, parti des petits gagnent 13. Et déjà là, encore une fois, il montre où est l'Assemblée qui est balancée. So, c'est pour ça raison nous dit nous pour besoin ensemble et là mon vie dit tout le monde pas perdre l'espoir parce que nous peut travailler et c'est quelque chose qui nous peut faire pour montrer sa limité semaine ça pendant des jours qui peut venir là nous bien prime calendrier l'union sans moi parce qu'ils ont envie qui dans la cour tout le monde supporter et tout le monde qui a envie supporte nous il y en a un calendrier
l'union sans moi, comme un symbole dans lui-même. Alors, tout travail qui a été fait, nous essayons, et ça va encore que c'est encore une fois, nous pouvons informer du monde quand nous avons une date, parce que nous avons envie que du monde par regard politique dise comment quelque chose pour les leaders. Mais, sous le regard politique, comment quelque chose qui pour nous tous. Il n'y a pas de toi la voix qui a des bouts qui a causé. Mais, tout bonne la voix, il y a va venir ensemble. Alors, et d'avoir encore qu'est-ce, nous pouvons inviter d'autres pour venir. Vous autres écouter, qu'on est là où il y a va plein, nous avons des mains là où vous mettez un gros screen dehors, pour que tout le monde soit capable de suivre, qui peut passer en dedans, et tout le monde va vraiment saisir ce droit. Et qui m'a dit, et qui m'a dit, sur ça, il est très important pour tout le monde. Dans ce dernier jour, il y a un autre événement qui est arrivé. Il y a un monsieur qui arrive dans le pays samedi soir et ce monsieur qui a refusé pour entrer Cécile. Nous avons différents points de vue, comme différents mondes qui sont arrivés. Est-ce que vous pouvez éclaircir un peu sa situation? Florie, quelque chose de très simple. Samedi, Sanjay Bukhari, il y a un Mauricien, il y a un avocat. Lui, il seul avocat Maurice qui déjà remporte une pétition élection dans la cour. Et c'était une élection qui M. Jagnat a gagné dans son circonscription. Et M. Jagnat, pendant sa élection, a promis la communauté musulmane et cimetière et le premier ministre. Alors, ça me dit même une caisse pour dire qu'il abuse ressources de l'État. Il a mis son pouvoir. Et la cour tire un disement qui sa élection est illégale. Alors, Samsier, qui bien avec ses lois, et Paris nous connaît aussi dans la communauté illégale, nous avons ses lois qui ont été Maurice, qui fait la loi Maurice, et beaucoup de nazis mauriciens qui avant été avocats, sont aussi assis dans la cour. Alors, soit quoi l'autorité, une paix Samsier. L'État Samsier est venu, c'est une paix qui peut dire qu'il peut venir travailler pour l'opposition à cause de sa bonne cour de cases. Samsier est fait son arrangement privé et l'État est arrivé à l'aéroport, c'est une refuse de rentrer dans le pays. Ça pour moi, il y a la honte, premièrement. Il y a la honte, le fait qu'il s'est servi, il y a un membre COI, il y a un membre SADEC, il y a un membre de l'Union africaine et nous comptons en cause de. Nos frères Mauriciens, Stella, Dallon, ainsi de suite. Il y a la honte que le gouvernement a décidé en PCMC qu'il vienne cesser avec son dégarçon pour passer un petit congé en PC rentrer et faire lui passer plus que 12 heures de temps loin ban d'un departure lounge sans qu'ils aient offert lui un refreshment ou bien un breakfast ou bien un manger. Ça pour mon gouvernement, il y a la honte. Et mon pas connaît qui meilleur pour vraiment exprimer ça. Mais deuxièmement, il montre nous la frayeur d'un gouvernement. Zot père bien avocat Evin Cecil. Qui a pour zot père? Hier soir, Michel Marie, une cause qui vous dit ça monsieur n'a pas GOP. Be avec tout respect qui m'en pour Flore. Be tout ça ban zen fille qui rentre dans le pays qui vient comme une prostituée pour ban arabe. Zot en a GOP. Parce que vous êtes dans le pays et vous êtes fait plaisir, ça va en arabe. Combien de monde l'autre jour, il y a un indien qui est venu, qui peut rester côté Wolf pour faire campagne pour M. Michel. Vous êtes dans le GOP? La réponse est non. Ça est clair qui vous dit il y a l'autre instance qui montre nous qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui réalise qu'il y a un gouvernement illégal. Il a fait un coup d'État en 1977, là il a envie de faire un coup d'État dans la boîte votée, que nous nous disons non, il n'y a pas pour faire. Alors, les autres connaissent qui vous disent que c'est illégal, à présent, là, ce pays ne taille pas à tous côtés, les autres paient, mais nous nous connaissons qui vous disent la vérité, finalement, il remporte la victoire. Et nous calmes, nous passons à travers la cour, et malgré qu'ils ont fait un samedi, quitte le pays, et pas parce qu'on est. Paris, tiens, vite fait. Mais c'est moi, tout ça là, c'est une panique. Mais mon point, finalement, la vérité, pour remporter la victoire.
Merci, M. Kalaman. M. Kotan, remercie mon spectateur. Vous espérez sa programme d'éclaircir quand c'est question à propos de la dernière élection présidentielle. Nous avons un point d'autre programme, mais nous avons plus d'informations. Merci. C'est loin.